bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Je suis super contente de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on va se faire un petit crash test de produits make-up. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait en plus. Donc je me suis déjà mise en condition pour pas perdre de temps. J'ai enlevé mes bijoux, j'ai préparé ma peau, etc. Alors j'ai envie de tester avec vous plusieurs choses. D'abord, tout ce que j'ai reçu de la commande que j'avais faite sur le compte Insta de Mon Vide Vanity. J'ai reçu ma petite commande comme ça, donc il y avait 3 produits à l'intérieur, tous super bien emballés. D'abord, on va tester la fameuse nouvelle crème d'Herborian, la CC Water, comme ça, à la Santella, qui fait fureur partout. On n'entend parler que d'elle partout. J'ai envie de voir ce que ça donne sur moi et de vous donner mon avis, de vous partager mon avis. On va tester aussi le petit blush L'Oréal, celui que je veux essayer depuis des années. Le fameux blush Life is a Peach, qu'on peut trouver un peu partout. On va essayer aussi ensemble les Gloss Cream de chez Fenty Beauty. Moi, j'en ai pris un en teinte Honey Waffle. On va notamment se maquiller aussi avec tous les pinceaux que j'ai reçus de la part de la marque Exo. Exo Beauty, je vous les avais présentés dans mon dernier unboxing, je crois. Le packaging se présente comme ça, mais on va tous les déballer. Je vais essayer d'en utiliser au maximum dans cette vidéo. Et quelques petites autres nouveautés, voilà. J'espère que ça va vous plaire, notamment vous avez été super super nombreuses suite à mon dernier haul à me demander d'essayer le plus rapidement possible la CC Water pour vous faire un petit peu votre avis, enfin en tout cas pour que vous connaissiez le mien. Donc c'est parti, on a du boulot. J'espère que la lumière n'est pas trop mauvaise, je suis un peu blanche hein, comme un cachet d'aspirine aujourd'hui, mais je suis crevée en ce moment. Avant que je commence évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, en cliquant sur le petit bouton qui est là, juste en bas, à droite pour vous. Souscrire à la chaîne, pour vous, c'est pas grand-chose, c'est juste un petit clic, mais pour moi, c'est énorme. Donnez-moi de l'amour, donnez-moi de la force, n'hésitez pas à me rejoindre non plus sur Instagram, on est de plus en plus nombreux aussi sur Insta, à me laisser un petit like, d'ores et déjà, si vous passez un bon moment avec moi, et surtout, à me laisser un petit commentaire, puisque c'est vraiment, vraiment le but. Je pense que vous le savez maintenant, c'est d'échanger. Et c'est ce qui est le plus important pour moi, c'est les commentaires et papoter avec vous. Allez, donc, on va essayer cette fameuse CC Water d'Herborian. Donc, moi par contre, je ne suis pas du tout sponsorisée. Je n'ai pas reçu le produit gratuitement. Je l'ai acheté hein, moi-même avec mon argent. Je l'ai acheté d'occasion. Le prix neuf, c'est 39,90€, le grand format, sur le site d'Herborian et sur tous les autres sites, je crois, ou même en boutique. Après, vous avez aussi les petits formats, vous savez, qui sont à moitié prix. Donc elle existe en teinte claire, en teinte dorée, en teinte caramel, donc il y a toujours 3 teintes, généralement c'est les 3 mêmes teintes. Mais voilà, je vais vous donner un avis 100% objectif. Je ne dis pas que les personnes qui ont reçu le produit gratuitement ont un avis tronqué, c'est pas du tout ça que je dis. Mais il est vrai que quand on achète le produit avec son argent, on a quand même des exigences peut-être qui sont un peu plus importantes. Et moi du coup je l'ai acheté à entre 20€ et 25€ il me semble, ce qui est presque moitié prix, donc j'étais vraiment contente. Il a été utilisé qu'une seule fois, donc il est vraiment quasi neuf. Qu'est-ce qu'on nous dit d'abord? Que ce produit est enrichi donc en Centella Asiatica, un super ingrédient réputé en Corée. La CC Water est un soin perfecteur. Il sublime la peau grâce à ses pigments encapsulés, tout en contribuant à l'apaiser et à l'hydrater. C'est un peu le principe voilà, d'autres crèmes, et notamment de l'eau de teinte chez Chanel. On a ces sortes de petits pigments en fait qui, au contact de la peau, vont se libérer et se fondre à la carnation. CC Water a été formulé pour répondre aux besoins des peaux adeptes des soins ultra légers. Donc moi, c'est vraiment tout ce que j'aime, vous savez, les fluides de teint, les bébés crèmes, les CC crèmes qui sont vraiment très légères, imperceptibles. C'est pour ça que je voulais vraiment essayer ce produit. Sa texture gel désaltérante est enrichie en acide hyaluronique. Bon, ben ça, acide hyaluronique, on adore. Et sa texture gel désaltérante, ici, là, ce sera parfait. Il fait 40 degrés en ce moment, il fait une chaleur étouffante. Donc, j'avais encore plus envie d'utiliser ce produit. Quand il fait chaud comme ça, on a vraiment envie d'avoir un teint léger, frais, quoi. Donc, CC Water s'adapte à la carnation pour unifier et illuminer le teint. Le grain de peau est visiblement affiné et les ridules de déshydratation semblent visiblement réduites. Donc je pense que c'est grâce à l'acide hyaluronique. La peau est comme parfaite. En fait, ça a l'air d'être notre peau à nous, ben, en mieux, quoi, tout simplement. La peau, elle affiche un effet dewy. Un effet dewy. Alors, dewy, en anglais, c'est la... Comment dire? C'est la rosée du matin, un petit peu. Donc c'est comme si la peau était fraîche, comme la rosée du matin. Ben, d'ailleurs, c'est ce qu'ils mettent. Appliqué en couches fines sur le visage, comme un soin de jour. Testé sous contrôle dermatologique, non comédogène et formulé sans silicone. À l'inverse de certaines crèmes Herborian qui contenaient du silicone, diméticone, etc. Celle-ci, a priori, n'en a pas. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de produits Herborian qui ont été un petit peu controversés.
Et alors, ce que j'ai entendu, après on entend un peu tout et n'importe quoi partout, mais c'est que Herborian a a priori pris en compte les remontées sur leurs autres crèmes pour formuler celles-ci de manière différente, notamment en supprimant certains ingrédients controversés, pardon. Donc tant mieux, a priori c'est une formule qui est plus clean et c'est ce que pas mal d'entre vous aussi m'ont dit dans les commentaires. Donc voilà, bah écoutez, on va tester. Moi je vais l'appliquer comme un soin de jour. D'ailleurs ils le disent, appliquer comme un soin de jour, comme une crème. Donc je vais l'appliquer aux doigts. Je trouve que ça permet de beaucoup mieux les faire pénétrer de manière plus uniforme en fait dans la peau. Alors voyons déjà cette texture. Ah ouais. Franchement j'ai jamais vu ça. Je vais vous montrer de près à la caméra. Regardez cette texture. On est sur une texture, vous voyez, vraiment, vraiment fraîche, vraiment gel. Et on voit, regardez, tous les petits pigments. Mais par contre, ils sont blancs. Là, ils sont blancs, les pigments. Alors que, par exemple, dans l'eau de teint de chez Chanel, qui est quasiment la même texture, les pigments sont plutôt bronze, beige, marron. Donc là, c'est vrai que c'est quand même surprenant, ces pigments blancs. Alors, on va voir. En tout cas, c'est vrai que, déjà là, l'application, c'est super frais. C'est ultra frais, pourtant j'ai pas mis le produit au frigo et je vous dis, il fait 40 degrés. Hein. On verra le rendu et tout, hein. Mais en tout cas là, sur la texture, c'est extrêmement agréable. Les petites boules, les micro-pigments là, que je sentais, bah, ils disparaissent en fait. Autant avec l'eau de teint de chez Chanel, on les sent pas forcément, autant là au début on les sent comme des petites boules, un petit peu des grains. Et au fur et à mesure de l'application, ouais, ils disparaissent complètement. Et alors, regardez ma main. C'est un petit peu teinté en fait, une fois qu'on l'applique sur la peau. Bon, il y a trois teintes, voilà. La dorée en tout cas est à cette carnation-là. Alors voilà, c'est déjà pénétré dans la peau. Extrêmement agréable à appliquer, hein. Ça je vous l'assure. Je suis complètement d'accord. C'est très léger, c'est très frais. Effectivement, il n'y a aucun fini gras. Et alors au niveau du rendu, alors on dirait vraiment notre peau à nous quoi. Par contre, les pores sont assez unifiés. Je vais vous montrer de près, ça fait très naturel. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que ça fait vraiment, ouais, effet imperceptible. Seconde peau, on ne voit rien du tout, du tout. J'ai meilleure mine. La peau qui est, ouais, lissée, unifiée. Je suis assez d'accord avec tout ce que j'ai entendu. Je trouve que le produit tient ses promesses. Il précise bien que c'est pas une haute couvrance, hein. On est loin de là. Si vous cherchez vraiment à camoufler énormément, ça va, c'est pas ce que vous allez aimer, pas du tout. Mais si vous êtes une personne comme moi qui aimez les choses très légères, qui vont juste venir, voilà, camoufler vos quelques petites imperfections, quelques petites rougeurs, et surtout unifier, lisser la peau, c'est tout, ça peut vraiment vous plaire. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Ouais, ça me fait penser à l'eau de teint de chez Chanel, hein, quand même, finalement, en un peu moins pigmentée. L'eau de teint de chez Chanel, ça donne une impression un tout petit peu plus bronzée, on va dire. Par contre, ça ne couvre pas les cernes. Il vaut mieux rajouter un petit peu d'anti-cernes si vous en avez. Moi, c'est ce que je vais faire. Et si vous êtes comme moi, que vous avez quand même pas mal de duvet, notamment sur les joues, c'est vraiment très important de bien, bien, bien le masser pour le faire pénétrer, parce que sinon, le duvet peut bloquer un petit peu la pénétration du produit dans la peau et ça fait des sortes de taches un peu orange et tout, donc c'est pas forcément joli. Et voyez, le temps que je fasse 2-3 trucs, ici il fait chaud, donc on transpire rapidement. Je me suis essuyée comme ça avec un petit mouchoir. Et regardez, on a quand même la pigmentation, alors que sur le visage, on ne voit rien. Et le produit est transparent, quoi. C'est vraiment, c'est surprenant. Je pense franchement que c'est le produit le plus naturel qui est sorti Herborian jusqu'alors. Donc si vous hésitiez et qu'en tout cas vous attendiez mon avis, si vous avez les mêmes goûts que moi, bien sûr, hein, si vous recherchez le même type de rendu, etc., je pense vraiment que ça va vous plaire, vraiment, vraiment. Et notamment en été, enfin, en tout cas quand il fait chaud, c'est un produit, à mon avis, qui est parfait, quoi. Bon, je vais me rajouter un petit peu d'anti-cernes quand même, parce que par contre, c'est vrai que c'est pas très couvrant. Donc, si on a des cernes, comme c'est mon cas aujourd'hui, il vaut mieux mettre un peu d'anti-cernes par-dessus, ou alors un peu de CC Doule, par exemple, ou ce genre de choses. Je sais qu'il y a certaines d'entre vous m'ont dit qu'elles faisaient comme ça. Je vais en profiter pour tester les pinceaux justement que j'ai reçus, donc de la marque Exo. Je vous l'avais montré dans mon unboxing. Donc moi j'ai reçu ce kit là, donc dans un étui en 6 mm, vraiment très 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 joli je trouve. Et alors on a 18 pinceaux à l'intérieur. Je pourrais peut-être pas essayer les 18 aujourd'hui, mais en tout cas je vais essayer d'en utiliser un maximum. Donc Exo, c'est un site qui fait, alors pas uniquement des pinceaux make-up, ils font aussi des brosses à cheveux. En fait, ils font toutes sortes de produits avec des fibres. Et
Tous leurs produits sont vegan, alors avec des fibres très 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 particulières, avec des processus de fabrication qui sont protecteurs de l'environnement, etc. Je suis vraiment allée voir le site, ça m'a l'air vraiment vraiment intéressant en tout cas. C'est pas très très cher, je trouve, par rapport à la qualité du produit, sachant qu'en ce moment, il y a des codes promo de moins 15% pour la journée de la femme et de moins 20% à partir du moment où vous achetez deux produits. Il y a vraiment pas mal de choix sur le site, il y a plusieurs sets différents. Et a priori, comme ça, moi je suis vraiment agréablement surprise. Déjà de la qualité du packaging, recevoir les pinceaux dans ce genre d'étui, ben, franchement c'est toujours un plus, c'est toujours super sympa. Et comme je vous l'avais dit dans le unboxing, de la douceur des pinceaux quoi. Donc, quoi de mieux que de les essayer sur le visage ensemble pour vraiment voir ce que ça donne. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien du site de toute façon et éventuellement les codes promo que je réussirai à obtenir pour vous. C'est pas sûr, mais si j'en ai, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Donc déjà, vu que je vais appliquer de l'anticerne, je vais utiliser un pinceau. Et je pense que pour l'anticerne, celui-ci par exemple sera absolument parfait. Il me fait penser au pinceau Zoeva que j'utilise tout le temps pour mon anticerne. Alors par contre, ils n'ont pas de nom. Je vais prendre tout simplement mon petit anticerne Yves Rocher. Je suis en train de le terminer donc... Je vais essayer d'arriver à la fin avant d'en entamer un autre. Mais j'en mets peu, hein. C'est vraiment histoire de camoufler le creux bleu de la cerne là. Et vous voyez, il est... Donc celui-là pour moi, il est parfait pour l'anticerne parce qu'il est dense, il est touffu et en même temps un tout petit peu biseauté. Ben, je vais vous montrer mon Zoeva à côté, vous allez voir. Regardez, c'est vraiment le même genre de pinceau. Hein. On dirait même le même genre de poil, etc. Alors, les fibres du pinceau sont tout aussi douces sur le visage que sur la main, en tout cas. C'est vraiment très très agréable sur la peau. Hein. Vous savez, des fois, on a des pinceaux avec des poils qui piquent, ou enfin, je sais pas. Notamment, par exemple, bon, ça c'est très personnel, mais moi, j'aime pas les pinceaux duo fibres. Je trouve que ça pique la peau, c'est pas agréable. Là, franchement, c'est hyper doux. Il déplace super bien les matières. Alors, ce qu'ils disent sur le site, c'est que les pinceaux sont faits aussi bien pour utiliser des matières poudre que des matières crème. Après, il y en a qui sont spécialisés en fonction d'eux. Mais là, vous voyez, j'ai fait mon œil droit en quelques coups de pinceau, ça y est. La matière est bien estompée. Écoutez, c'est le premier que j'essaie, mais en tout cas, je suis très contente. Pour moi, c'est la même qualité que mon pinceau Zoeva. Je vois pas de différence en tout cas. Ben, franchement, ça y est quoi. Je vous dis, j'ai passé 3-4 coups, ça y est. Regardez, la matière est très très bien estompée, très très bien appliquée. Mis à part le prix, parce que les Zoeva sont quand même beaucoup plus chers, je vous dis, je ne vois aucune différence, j'ai l'impression que ce sont les mêmes. Parce que là, on a quand même un set de 18 pinceaux pour environ 36€ sans les codes de réduction qu'on peut avoir éventuellement, et il y en a toujours. Donc le rapport qualité-prix est quand même intéressant, je trouve. Je vais poudrer. Alors justement, je vais essayer d'utiliser deux pinceaux différents pour poudrer. Un pour le dessous des yeux et un pour le reste de mon teint. Alors pour le dessous des yeux, je vais prendre celui-ci, vous voyez, qui est un petit peu long, assez fluffy. Ben, qui me fait penser au pinceau Sigma que j'utilise aussi pour poudrer mon contour des yeux. Vous voyez, c'est un petit peu le même genre, en un petit peu moins long. Là, on est d'accord, hein, la poudre est nécessaire. Je vais prendre la poudre Airspun de la marque Coty. Vous savez, je vous en avais parlé, mais ça fait un petit moment. Et je sais pas pourquoi, j'avais oublié de l'utiliser. Je l'ai achetée sur Amazon à quasiment rien. Et elle est top, top, top cette poudre. Je crois que c'est Elsa de Makeup qui avait commencé à en parler, enfin qui l'avait découverte il me semble. Plein de gens se sont mis à l'acheter, à la découvrir grâce à elle et à l'adorer, dont moi en fait. Et en plus, elle sent les îles, la noix de coco et tout, elle est géniale cette poudre, elle est toute fine. Bon, je vais poudrer d'abord le dessous des yeux. Bah écoutez, que dire? Là je viens d'appliquer une matière crème en anti-cerne. Là je teste avec une matière poudre. C'est tout aussi bien quoi, le pinceau est tout aussi doux. Je sais pas pourquoi, je m'attendais pas à ce qu'il soit si qualitatif quoi. Franchement, je ne sais que vous dire de plus. Moi, c'est tout ce que je demande à un pinceau, qu'il applique bien le produit de manière uniforme, qu'il le diffuse bien, qu'il soit doux pour ma peau, qu'il ne me dessèche pas. Et là, ben là, on y est carrément. Hein. Allez, je vais mettre. Du coup, je prends le plus gros. Bon, il n'a pas de nom, mais celui-là, c'est le plus gros par contre de tout le kit que j'ai reçu pour appliquer la poudre sur le reste de mon visage. Et franchement, c'est top. Hein. C'est top. Je vous dis, j'ai l'impression, je crois que c'est ce que je vous avais dit d'ailleurs, qu'ils sont aussi doux que les pinceaux de la collection Salinas Sephora. Pour moi, c'est devenu une référence, ces pinceaux Salinas Sephora. Ils sont tous super doux. Je les adore. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment la même chose, quoi. Ouais, c'est une belle surprise. Voilà, j'ai reçu les produits pour les tester avec vous en vidéo, vous en parler. Mais je n'ai aucune rémunération. Hein. Moi, je ne gagne rien du tout. Je vous donne mon avis en toute objectivité. Et voilà, mon visage est poudré.
Parfait, j'adore. Bah écoutez, pour le moment, le crash test là se déroule super bien. Avant de passer aux yeux, ouais, je vais utiliser le petit blush. Ce petit blush Life is a Peach de chez L'Oréal. Mon Dieu, j'ai même du mal à croire que je l'ai dans mes mains, ce blush dont je vous parle depuis le début de ma chaîne en disant je vais l'acheter ou je le mets dans mes wishlists. Et alors, c'est vrai que maintenant, enfin depuis quelques semaines, je me suis tournée vers des teintes un petit peu plus violette, prune, bois de rose. On n'est pas sur un blush rosé, on est sur un blush vraiment corail. Ce qui est pas mal, c'est qu'en dessous, on a un petit miroir comme ça avec un petit pinceau. C'est toujours bien si on veut trimballer le blush dans son sac à main. Mais le petit pinceau, vous voyez par exemple, qui est comme ça. La forme, ça me fait penser au pinceau de Benefit. Ça par exemple, là, c'est pas doux du tout, vous voyez. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Les poils, ils sont tout rêches. C'est pas doux, c'est pas agréable, ça pique même. Donc ça, je ne vais pas l'utiliser. Donc, ben, je vais prendre un pinceau blush du kit, tant qu'à faire. Ces trois-là seraient tout à fait possibles pour le blush. Bon, celui-ci peut être un peu gros. Je pense que celui-ci serait parfait pour le blush. Celui-ci aussi, hein. Donc, je sais pas. Les trois sont tout aussi doux les uns que les autres. Quoique, ceux qui ont les poils en dégradé de marron foncé et marron clair sont plus doux que ceux qui ont les poils noirs et blancs quand même. Donc, je vais prendre celui-ci. Donc, on est sur un blush poudre, hein, complètement classique. Alors, voyons voir. J'ai pas l'impression qu'il soit très très pigmenté par contre. Et ce blush aussi, si je voulais l'acheter depuis je sais pas combien de temps, c'est parce que je l'ai vu dans des dizaines et des dizaines de vidéos comme un des blushs, un des meilleurs blushs sur le marché depuis toujours, quoi. Une sorte de must-have en termes de fard à joues, quoi. Mais franchement, ou alors faut que j'en rajoute, mais là, comme ça... Je sais pas si vous voyez quelque chose à la caméra, mais c'est pas très très pigmenté. Enfin, c'est très léger, quoi. Pourtant, j'en ai un, là, sur le pinceau. Alors, on est sur un petit corail, voilà, orangé. Il faut y revenir plusieurs fois. Vous voyez, là, ça fait au moins 2-3 fois que j'y reviens. Et, vous voyez, ça se voit un petit peu. Mais on voit pas non plus... Après, il se déplace bien sur le visage. Mais bon, voilà. Encore une fois, j'ai envie de vous dire un truc que j'attends depuis des années. Je suis un peu déçue. C'est pas la couleur. La couleur, elle me plaît. Cette couleur corail, ça me plaît. C'est juste que, ouais, j'ai l'impression qu'il faut que je remette au moins 5-6 fois pour qu'on voit vraiment la teinte sur mes joues, quoi. Bon, je dirais que c'est plus un blush d'été quand on a le teint un petit peu hâlé. Le pinceau, sinon, franchement, toujours aussi doux. Je pense que, on va voir si les pinceaux pour les yeux sont différents. Mais en tout cas, tous ceux du teint, là, que je viens d'essayer, je ne peux que vous les conseiller, quoi. Sans même parler, je vous l'avais dit la dernière fois, du manche comme ça, que je trouve vraiment classe, chic, enfin, je trouve ça sobre, mais vraiment élégant. Moi, j'aime bien quand même avoir des beaux pinceaux, quoi. On voit que j'ai mis du blush, mais j'ai dû mettre au moins 5 couches. Si vous aimez les trucs très très light, en tout cas, il peut vraiment vous plaire. Il est pas très cher, hein, sur Amazon, je crois qu'il est à même pas 10€. J'essaierai de vous mettre des liens en barre d'infos. Je viens de me rendre compte que j'ai complètement zappé le bronzer. Je sais pas pourquoi, j'étais tellement excitée à l'idée de tester ce blush L'Oréal que j'ai zappé le bronzer. Je vais quand même en appliquer un tout petit coup, le Butter Bronzer de Physician Formula. Vu que je suis sur un teint vraiment léger, je vais rester dans le léger. Et qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Ben, je vais prendre celui-là, tiens, j'avais hésité justement à l'utiliser pour le blush. Ben, comme ça, je vais l'utiliser pour le bronzer. Alors, Butter Bronzer, il est quand même pigmenté, hein, faites gaffe. Bon, ben, écoutez, pas de surprise, hein, franchement, le pinceau est tout aussi doux. Il applique super bien la matière. Il la déplace très très bien, pas de tâches. C'est un kiff à utiliser, c'est un kiff, c'est tout doux. Bon, on va finir avec le teint en appliquant un tout petit peu d'highlighter, une fois n'est pas coutume. C'est vrai que j'ai plus du tout l'habitude d'appliquer d'highlighter, moi je sais pas pourquoi. Je zappe en fait complètement à chaque fois. Mais c'est surtout parce que j'ai envie d'utiliser celui-ci. Celui-ci, il est un peu différent des autres, il est tout blanc, hyper fluffy. Il a l'air un poil moins doux que les autres, mais bon, il est voilà, très correct hein, quand même. J'ai envie de voir ce qu'il donne. Je vais prendre un highlighter... MAC, comme ça, un highlighter que j'aime beaucoup, 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 dans des tons vraiment dorés. Je vais en mettre pas beaucoup, juste un tout petit peu ici. Regardez cet highlighter, comme il est hyper pigmenté. C'est l'highlighter MAC, je vous ai pas dit qu'est-ce que c'est. Il s'appelle Whisper of Guilt. Un peu comme les highlighters BK, cet highlighter MAC, je le trouve très léger. Il marque pas les imperfections de la peau, il les fait pas ressortir, comme c'est le cas avec certains. Il est doré, parce que parfois, ouais, avec des highlighters dorés, c'est un peu qui tout double, quoi. Parfois, ça peut faire ressortir les pores, les boutons, les trucs comme ça. Enfin, ça fait ressortir le grain de peau, ce qui n'est pas beau du tout. Là, non, vous voyez, ça apporte juste un peu, regardez, tac, de luminosité. C'est parfait, je trouve. Mon petit nez et l'arête du nez.
et l'arc de Cupidon. Je vais reprendre un peu le méga pinceau là du début avec lequel j'ai appliqué ma poudre pour faire fondre un petit peu toutes ces petites matières entre elles. Et après, on va passer aux yeux. Bon, je vous fais une vidéo un peu plus longue que d'habitude, je pense. Enfin, je sais pas combien elle va durer. Mais j'ai envie de prendre le temps là de tester tous ces produits-là avec vous. Vraiment de passer un bon moment ensemble. Prenez un petit snack, prenez un petit thé ou maquillez-vous en même temps que moi. Comme moi, je fais, je regarde des vidéos, je me maquille en même temps. J'aime bien faire ça, j'ai l'impression de passer un bon moment avec comme une copine quoi. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que vous préférez les vidéos qui sont un peu plus longues, un peu plus courtes Voilà pour le teint, il me semble qu'on est pas trop mal. Je vous montre ça d'un peu plus près avec la CC Water d'Herborian et tous les petits produits que j'ai appliqués par-dessus là qui sont tous des produits de qualité. Je les ai tous appliqués avec les nouveaux pinceaux. Je trouve qu'on a un rendu quand même assez glowy, assez frais. Lumineux, bonne mine. Ok, on va passer aux yeux. Alors, pour les yeux, je vais prendre des fards à paupières que je connais bien. Je vais prendre des fards à paupières Valeur Sûre, des fards à paupières Charlotte Tilbury. Je sais comment les travailler, je les connais par cœur. Ils sont hyper faciles à utiliser, à estomper, etc. Je vais prendre ma grande palette Starry Eyes to Hypnotize, qui se présente comme ça. C'est ma palette préférée, vous le savez. À l'intérieur, on a 4 looks différents. Mais bon, après, rien ne nous empêche de mélanger les couleurs et de faire ce qu'on veut, hein, de toute façon. Mais voilà, au moins avec ces fards là, je suis sûre que là, s'il y a un souci au niveau des yeux, ce sera pas les fards, ce seront les pinceaux quoi. Je vous les avais montrés dans la vidéo unboxing, mais vous voyez, on a des pinceaux langues, on a des pinceaux estompeurs, certains un peu plus larges que d'autres, des pinceaux ras de cils, enfin on a vraiment toutes sortes de pinceaux, je pense, pour faire toutes sortes de make-up. Je pense que vraiment il y a de quoi faire. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'ils aient mis un petit goupillon dans le kit de pinceaux, parce que parfois il y en a pas, et c'est vrai qu'un goupillon c'est assez essentiel. Aujourd'hui, vous voyez, je ne vais pas forcément me maquiller les sourcils, mais au moins je les coiffe quoi. Je les coiffe et éventuellement j'enlève les résidus de produits teints. Mais bon, c'est vrai que comme moi j'ai le micro-blending, je les coiffe et puis voilà. Et puis j'ai un peu la flemme, j'avoue. Bon, je vais faire quelque chose de léger. Vous savez que je ne suis pas Marion Caméléon, hein, loin de là. Je vais prendre ce fard-là donc de la gamme Happy Glow, qui est une sorte de marron un petit peu noisette. Donc d'abord, je viens comme ça appliquer le fard, enfin déposer la matière, et ensuite je vais venir l'estomper. Donc je fais mon creux de paupière, et toujours, comme moi j'ai la paupière qui est un petit peu tombante, je remonte un peu plus haut que mon pli de paupière, ben pour donner l'illusion, hein, comme d'hab, d'une paupière qui est un peu moins tombante. Parce que si je fais pas ça, si je remonte pas au-dessus du pli de paupière, quand je garde mes yeux normaux, ben on voit pas le fard en fait, vu que mon pli de paupière est caché. Franchement, j'ai envie de vous dire, c'est parfait. Les fards Charlotte Tilbury, je vous ai dit, je les connais par cœur. Et là, avec ces pinceaux, ils s'appliquent tout aussi bien qu'avec les pinceaux que j'ai l'habitude d'utiliser, que ce soit les MAC, les Sananas, les Zoeva, les Morphe. Là, j'ai déposé la matière, je suis en train d'estomper un petit peu vers la queue de mon sourcil. Bah, écoutez, franchement, c'est top, hein. C'est top. Justement, pour ma paupière mobile, je vais prendre ce fard-là, donc dans la gamme Love Glow. C'est un fard normalement qui s'applique au doigt, voilà, un peu crémeux, hyper pailleté. Et alors, je vais tester ce pinceau langue. Il y en a deux des pinceaux langue. Celui-là, c'est le plus gros et il y en a un qui est plus petit. Je vais prendre celui-là pour voir pour le moment ce que ça donne sans être humidifié. Est-ce que ça se dépose bien ou pas? Quand j'applique ce genre de fard, souvent, j'humidifie un peu le pinceau pour que ça colle un peu mieux parce que moi, en plus, je mets pas de base à paupières. Mais là, écoutez, ça va, hein. Bon, la pigmentation ressortirait mieux forcément si j'avais humidifié le pinceau, mais moi ça me va. Regardez, là le pinceau est tout sec, ma paupière est poudrée pourtant, et je trouve que la pigmentation, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est suffisante, hein. Très joli, moi ça me va bien, hein. Je vais prendre ce tout petit pinceau, c'est un type de pinceau ras de cils plutôt inférieur, je dirais. Je vais garder le fard marron que j'ai pris au début pour me faire un ras de cils inférieur avec. Pour les ratils supérieurs, moi j'aime bien utiliser ce type de pinceau là, vous voyez. Et pour les ratils inférieurs, je préfère quand ils sont plutôt plats. Petit problème de surexposition, n'est-ce pas? J'ai essayé de remédier à ça. Là, je pense que vous voyez un peu mieux ce que je fais au niveau des yeux. Je suis désolée, hein, le soleil n'arrête pas d'aller et venir, c'est un peu compliqué. Donc oui, je disais, je fais mon petit ratil inférieur là. Et je vais le relier tout simplement avec ce que j'ai fait en haut, histoire que l'œil soit bien entouré. Et vous voyez, j'essaie de diriger le fard vers la queue de mon sourcil en fait, pour essayer d'étirer, d'allonger le regard toujours. Voilà, pour le moment j'ai appliqué 2 fards à paupières. Et donc je vais prendre un pinceau ras de cils supérieur, mais pas celui que je vous ai montré tout à l'heure.
un qui est encore plus petit, celui-ci. J'ai envie de me faire un petit rat-de-cil comme une sorte de liner. Donc je vais prendre tout simplement le fard bien bien noir de la palette là. Il est noir mat, c'est vraiment un noir pur à 100% tout le long de mon rat-de-cil supérieur. Et après je vais le fumer un petit peu, histoire que ça fasse pas un liner vraiment net. Et franchement j'ai rien à dire, hein. Là entre les fards Charlotte Tilbury et ces pinceaux-là Exo, c'est un 20 sur 20. Hein. Vous avez vu avec quelle rapidité je me suis maquillée les yeux? C'est assez incroyable. Je vais mettre un peu de crayon noir en muqueuse supérieure. Je vais prendre ce petit pinceau-là que je n'ai pas encore utilisé pour venir juste estomper un tout petit peu ici le fard marron sous l'arcade sourcilière. Histoire que ce soit le plus estompé, le plus fumé possible. Voilà, franchement, je suis vraiment contente. Regardez ce petit make-up des yeux. Tout simple, là, avec 4 fards à paupières. Je vais mettre du mascara. Je continue à tester le size-up de chez Sephora. Et en fait, je me suis rendu compte, avec le size-up, que je le préfère en seconde couche plutôt qu'en première couche. C'est-à-dire que j'ai essayé de mettre un autre mascara en dessous. N'importe lequel, hein, par exemple, mon L'Oréal, là, que j'aime bien, Sous Couture. Et je trouve qu'il apporte encore plus de volume si on le met sur un autre mascara en fait. Et en plus, ça fait pas de pâté. Mais essayez, si vous l'avez ce size up, essayez de le mettre sur un mascara, sur un autre mascara à vous que vous aimez bien. Et je pense que vous allez être surprise de l'effet. Voilà ce que ça donne. Là, j'ai mis 2-3 couches de mascara size up et là, ça me convient. Là, je trouve que j'ai les cils qui sont vraiment densifiés, démultipliés. J'ai du volume quoi. Au niveau du make-up des yeux, ça donne ça. Donc voilà, on est sur quelque chose de très nude, hein, avec des couleurs comme ça marronnées, tout ce que moi je préfère. Le petit liner, enfin le fard noir en guise de liner qui vient juste intensifier un peu le regard avec le crayon en muqueuse. Voilà le make-up que j'ai fait avec les pinceaux Exo, donc vraiment de manière ultra facile, quoi. Ils sont hyper faciles à utiliser. Pour moi, ils sont vraiment de qualité. Comme quoi, une marque que je connaissais pas du tout, vraiment très 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 jolie surprise. Écoutez, je vais faire l'autre œil et ensuite on passe aux lèvres ensemble. Et voilà, j'ai fait le deuxième œil. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'il n'y a aucune chute. Parce que certes, la plupart du temps, les chutes sont dues au fard à paupières. Mais parfois, moi, ça m'est déjà arrivé que des chutes soient dues aux pinceaux que j'utilisais. Pour le coup, certains fards à paupières ne faisaient aucune chute avec, je sais pas, des pinceaux MAC. Alors qu'avec des pinceaux que j'ai pu acheter n'importe où, chez Adopt ou je sais pas où, j'avais des chutes. Parce qu'ils attrapaient pas bien la matière et du coup la matière tombait du pinceau. Et là, c'est pas du tout le cas. J'ai aucune chute. Bon, les fards Charlotte Tilbury sont top. Ils font rarement de chutes. Mais c'est quand même à souligner, quoi. Donc voilà ce qu'on a, pour les yeux. Voilà ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup. C'est simple, mais c'est... Je trouve ça chic, mais efficace. Bon, et on va passer aux lèvres avec le dernier petit produit que j'ai envie de tester avec vous aujourd'hui. Qui est donc le Gloss Balm Cream de chez Fenty Beauty. Donc il y en a plusieurs, hein. Il y a plusieurs teintes maintenant. Je crois qu'il y en a au moins 7 ou 8. Et donc moi j'ai acheté celui-ci, c'est la teinte 03 Honey Waffles. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire waffles, miel quelque chose. Il ressemble vraiment au Gloss Balm classique. Hein. Ça c'est le Gloss Balm classique. Et voilà, sur le cream, on a juste indiqué cream parce qu'a priori, ils sont encore plus crémeux que les Gloss Balm classiques. Alors, je vais déjà swatcher sur ma main pour voir. Effectivement, ça n'a rien à voir. On est sur quelque chose de beaucoup plus crémeux, limite une texture rouge à lèvres raisin, mais en liquide. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et la teinte, c'est celle-ci, la 03 que moi j'ai pris. Donc, on est sur une sorte de nude assez foncé, avec des sous-tons un peu rouilles. Tout ce que j'aime en ce moment. Et je ne vais pas faire de contour de lèvres ni rien. Hein. Je vais l'appliquer directement, moi. J'espère que ça ira bien avec mon make-up des yeux, que ça fera pas trop ton sur ton. Ouais, on est sur un nude noisette en fait. Hein. Il sent super bon. Non, franchement, rien à dire. La texture est top. On sent que ça hydrate les lèvres en même temps. Puis c'est crémeux, quoi, comme son nom l'indique. J'aime bien la teinte. Je sais pas si c'est ce qui me va le mieux au teint. Et je sais pas si c'est ce qui va le mieux avec le make-up que j'ai fait aujourd'hui. Mais en tout cas, je voulais tester les Fenty Cream. Et je les aime, ouais, j'aime beaucoup. Mais en tout cas, ça, c'est une teinte que moi, j'avais pas dans mes rouges à lèvres actuels. Un peu marron noisette, comme ça. C'est un nude un peu, ouais, un peu hybride. Mais franchement, j'aime bien. Hein. Je vais aller vous montrer ce que ça donne dehors. Que vous voyez vraiment bien le résultat final du make-up.
Bon, en fait, j'ai simplement changé d'angle, hein. Je me suis mis debout, mais je pense que là, vous voyez pas trop mal le rendu final du make-up, que ce soit le teint, que ce soit les yeux ou les lèvres. Personnellement, je vous ai dit, j'aime vraiment bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve qu'on est quand même sur quelque chose d'assez harmonieux, d'assez nude, glowy, mais pas trop non plus. Et surtout de très 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 léger. Regardez au niveau du teint. On voit quand même mon petit duvet que j'ai. On voit mes petites taches de rousseur, voilà mes petites particularités. Mais j'ai pas de fond de teint, c'est vraiment pas un fond de teint. Et la peau est très très belle et très uniformisée, je trouve. Donc je suis vraiment contente de ce produit Herborian. On dirait que j'ai pas de produit teint ou pas de fond de teint, quoi. Donc moi, c'est vraiment ce que je recherche. Vraiment, si vous aimez ça aussi, foncez, ça va vous plaire, c'est sûr. Et les yeux, j'en profite pour vous montrer, parce que je crois que ça fait un petit bail que je n'avais pas fait de make-up des yeux. Ça reste nude, hein. Vous savez que j'applique rarement du bleu, du rouge, du jaune. Hein. Bon, c'est la vie, hein. Chacun ses goûts. Mais voilà quoi. On arrive à la fin de cette vidéo et de ce gros crash test de pas mal de produits. Mais je vous l'avais dit, j'avais envie de prendre le temps avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vous ai donné mon avis au fur et à mesure de la vidéo sur tous les produits. Donc, vous l'aurez compris, la seule petite déception, éventuellement la seule petite réserve, c'est le blush Life is a Peach de chez L'Oréal. Et encore, à la lumière du jour, je trouve qu'il ressort mieux qu'avec la lumière artificielle qui est là. Donc, à retester, à voir, peut-être sur d'autres produits ou de manière différente. C'est un joli blush, mais moins pigmenté que ce à quoi je m'attendais. J'attends vos retours avec impatience dans les commentaires sur ces produits-là. Votre avis sur mon make-up aussi, si je vous le demande, c'est que c'est important pour moi, que ce soit des avis positifs ou même des critiques à partir du moment où elles sont constructives. Moi, je prends. Je vais vous laisser là, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!